Hi. Là, ton truc est maison sur sa tête là. C'est qu'elle a fait des. On dit elle a arnaqué le député Alpha Yaya Touré. Le député là aussi, son nom est un peu cité aussi. Hein. Qu'on dit, oh, maman Nabra Darus aussi. C'est elle qui sait prendre défense du gouvernement. Paye l'église. Et maman Nabra Darus, Kono, elle n'aime pas qu'on cite le nom des autorités. Tanti. Tanti, oh. Tu n'as pas allé prendre tous les députés là pour mettre ça sur ta tête. Ah, maman, ton affaire est un peu compliquée. En tout cas, Sabine Dié, là, depuis elle a fait son coming out, ok? Son coming out, pardon. Sur les maisons qu'elle construit. 2 jours, elle est debout, hein? Bon, il n'a pas trop aimé comment Eka l'a attachée. Mais 2 jours, elle est debout, hein? Ou bien, c'est une nouvelle influenceuse, entrepreneur, influenceuse, qui a beaucoup de casquettes aussi. Le pays est dur. Le pays est dur. Les gens sont. Brad Darus aussi dit, sans fille, gouvernement, là, tous ceux qui sont là-bas, là, dès que leur nom est cité dans quelque chose, elle sort pour venir se battre. Voilà aussi. Brad Darus aussi va l'appeler pour dire que non, que c'est une arnaqueuse. Si ça commence là, elle sait où ça peut partir. Ah. Il est enregistré. Hein. Mais vous n'avez pas dit que quand vous venez, vous dites les choses. Et puis nous, on sort derrière pour reprendre là, ça devient problématique. Bon, je vais vous faire écouter ce que Brad Darus a dit par rapport à Sabine Dié. Mais Sabine Dié aussi, tu veux faire écouter vocal? Les gars s'en foutent. Ils sont là, ils sont en train de causer d'autres choses. Ah, vous aussi, vous êtes foutaises, hein? Bon, c'est. Comment on appelle ça là? C'est les. On va dire bientôt, on va voir épisode de Gberet, nouveau clash entre Brad Darus, Tanti Maison, Jésus-Christ, Ange, Gabriel, et puis les chroniques de Brad Darus. Écoutez, c'était la reine des immatures. Là-bas, Moses Janko, Élisée Dandy, tout le monde. Alors, tu souhaitais intervenir? Oui, je souhaitais intervenir parce que quand on cite le nom de certaines autorités comme ça et que j'ai tellement mis présente, je suis offusquée, donc je veux apporter quand même une petite lumière à ma façon. Il y a quelques semaines de cela, je reçois le coup de fil de Moulard Oumar. Qui me demande, qui me dit qu'un certain Fofana veut passer à mon émission pour venir expliquer qu'il a été arnaqué par une femme du nom de Sabine. Et je lui dis que mon émission, je ne pourrais pas recevoir ce monsieur ou ça, mais de me laisser appeler Sabine et d'en discuter avec elle. Donc je prends mon téléphone, j'appelle Sabine. Mais au préalable, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, je le fais, j'enregistre. Parce qu'elle m'a déjà fait un coup sur un terrain qu'elle m'aurait promis. Et je vais pas, ça déjà, je vais sauter. Parce que comme moi-même, tu vas m'inviter, je vais venir Pas parler de évident. ça. Donc, je l'appelle et je lui dis, ma soeur, bonjour. Tu m'as doublé sur un terrain, tu es en train de doubler qui encore sur une voiture? Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui explique. Elle me raconte que oui, il y a quelqu'un qui lui doit et que Que nanani, Alpha Yaya me doit. le gars veut passer à mon émission. Si Il moi, a je peur de quelqu'un. refuse, Voilà la voiture il ici, peut quand tu passer lui proposes la voiture ici. n'importe quel autre. Voilà. Fais Ici, il me dit, attention, si tu peux t'excuser tu auprès fais du un bon monsieur, entretien et tu auras tais-toi une et belle voiture de excuse-toi. commandement. S'il te plaît. Attends, attends, attends. Attends, elle parle. Tu dis? Non, non, vas-y, vas-y, parce qu'elle était en train de parler, à montrer quelque chose. Oui, vas-y, Envoie vas-y. la voiture, c'est bien. Elle me dit, ma soeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui ai dit, bon, si tu veux, on va demander pardon, monsieur.
monsieur. Elle me dit, ok. Donc, on donne rendez-vous, on se retrouve là-bas avec Moula Oumar. Elle, c'est-à-dire moi, je l'attends là-bas avec Moula et elle, elle arrive. Quand elle arrive, elle vient dans la Lexus. Tatienne, moi, je ne suis pas dans les voitures. Elle dit qu'elle a payé l'argent au monsieur. Il faut me donner mes 2 millions. C'est quelqu'un d'autre qui lui doit. Le monsieur dit, c'est pas pour 10 ans. J'ai les vidéos dans mon téléphone parce que j'ai pris le soin de mettre tout ça. Elle, le monsieur, elle lui a donné 2 chèques. C'est elle qui a dit au monsieur de ne pas encaisser les chèques. Elle va lui faire signe pour encaisser. Le dernier paiement devait se faire le 26 juin. Elle n'a pas payé l'argent du monsieur. Le 30 juin, c'était le dernier délai. Elle n'a pas payé l'argent du monsieur. En ce moment où je te parle, le monsieur, même s'il sait qu'elle a nostalgie, il va te paquer, il va te prendre la voiture. Tu parlais. Elle n'a pas payé. Le député en question est venu sur les lieux. Il ne lui doit aucun centime. Je suis témoin et je prends l'engagement même à la justice. Le monsieur ne lui doit aucun centime. Moi, je ne peux pas accepter qu'on monte sur des autorités de ce pays. Parce qu'elle a cité plein de noms là-bas. Elle a cité même qu'elle sortait avec un procureur. Elle a dit même qu'elle avait appelé certaines autorités. Je ne vais pas dire le nom parce que c'est ridicule. J'étais témoin. Maurice Le Moula était témoin. Elle était toute gênée. C'est pardon, on a demandé. Puis le monsieur lui a redonné la clé. Tout en espérant que le 26 juin, elle vienne payer le résultat. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, elle vient sur les réseaux sociaux, elle fait une vidéo où elle m'insulte, c'est pas grave. Je considère que c'est pas de moi qu'elle a parlé parce qu'elle n'a pas dit mon nom. Elle n'est pas femme. Si elle était femme, elle allait dire mon nom. Mais ça, on va régler ça en femme. Le jour où on va se voir. Mais j'ai tenu à appeler pour éclairer. L'affaire de. En Côte d'Ivoire et des gens utilisent le nom de certaines autorités pour arnaquer d'honnêtes citoyens. Moi, je suis pas d'accord. Donc moi j'appelle aujourd'hui pour dire qu'aucun député ne doit à cette femme. Faites attention. Voilà. Et puis, c'est dangereux. Maintenant le reste là, moi je l'attends. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, merci infiniment pour ton apport. Je tiens à signaler que voilà la direction. Le frein encore pour ajouter dessus, ils m'ont parlé d'un truc. Voilà, j'ai eu l'accord de la direction. Le frein, il faut les papiers du véhicule. Il faut aussi venir donner. Pour qu'on puisse commander frein là chez Bosch ou bien je ne sais pas si c'est où là. Bon, tu as vu souffrance que j'ai eu dedans. Anyway. Donc, Sabine. Non, il a eu l'autorisation, je sors les vocaux du. Oui, Sabine, attends, remets ton auto. La parole est équilibrée ici, je crois. Je sais, s'il n'est pas habitué. Même, il ne va même pas arriver, même 20 degrés, même, il sera habitué. Moi, je sais comment on fait. Non, il ne faut pas dire, que j'ai été méchant. Toi-même, là, toi. Il ne faut pas dire ça, non. Oui, Sabine, je vous laisse intervenir, oui, par rapport aux propos de. Notre interlocutrice qui a appelé la direction pour avoir l'accord d'intervenir. Alors, tu sais qui parlait tout à l'heure là, relativement. Et je m'abstiens de lire les autres messages que j'ai reçus, en tout cas. Ouais. Est-ce que tu peux donner. À 17h, je dois être à l'aéroport, s'il te plaît. À 19h, embarquement est fini. Faut pas jouer avec ça. Ouais. Alors, ok. Ah, tu as un mot à dire en tout cas, ça? Tatiana, oui? Je pense que tu devrais jouer un film dans lequel tu t'appelles Sabine. Quand j'écoute vos conversations, les deux, il n'y a pas deux vols Air France. Tout l'amour que je vois qui fuse, je me dis, ben dis donc, ça peut faire. À 17h.